Dans tout pays sous la terre, il y a une corruption. Il y a un pays qui a un groupe qui a fait une licence pour professionnels, tant qu'en Haïti. Dans l'autre pays, la justice n'a pas hésité à mettre des bas. Bon, c'est l'homme. Même si mon avons sorti dans la famille qui est plus riche dans le monde, il a toujours fait ça qui passe. Nous avons un exemple là qui est en prison pour kidnapping. En Haïti, il y a toujours parlé de corruption. Nous ne savons pas ce qui est arrivé sur une forme de publicité à faire pour lui, pour qu'il puisse rentrer là-dedans. Parce que je n'ai jamais arrêté pièce pour nous ça. Or, en 2017, Haïti était placé 157e sur 180 pays dans ce qui a eu à perception corruption. Un exercice qui est tout simple. Je demande à n'importe quel haïtien de faire liste de gens qui mangent des copes de Caraïbes. Rapide là-bas. Ce n'est pas sous nous là, sous les affaires là. C'est parce qu'il y a tout le monde qui a géré lieu. Tant entre nous, nous ne pouvons pas parler fort. Comme si la justice par contre est. Dans la vidéo, ça, nous pourrons regarder quelques dirigeants dans quelques pays qui sont arrivés à l'opéra de corruption. Elias Antonio Saca, Salvador. Citoyen Saté président Salvador, sorti dans l'année 2004 pour arriver 2009. Il est condamné à 10 ans de prison et pour lui mettre 260 millions dans 301 millions de dollars détournés pendant la dirigé pays. En plus de président, il a condamné ancien secrétaire li à 10 ans de prison et puis pour lui remettre 15 millions de dollars, ancien ministre de communication, ancien président compagnie de l'eau publique, chef service financier, il a tout appris 5 ans de prison. Lim Yong-bak, Corée du Sud. Il était président de Corée du Sud sur l'année 2008 pour arriver 2013. Il est condamné à 13 ans de prison pour corruption avec détournement de fonds. Côté ligue pour lui payer 10 millions d'euros amende. Les coupables tout de ce qu'il te prend l'argent dans mes compagnies Samsung pour lui te annuler peine président compagnie ça qui était condamné pour évasion fiscale. Femme dit nous, c'est le 4e ex-président Corée du Sud qui condamné après mandat. La justice pas joué dans le pays ça. Lula da Silva, Brésil. Il était président Brésil sur so l'année 2003 pour arriver 2009. Il est condamné à 12 ans de prison pour corruption. Côté il était recevoir un bel caïbol en main dans meilleure compagnie pour te permettre de jouer plus de contrats. Roxana Baldetti, Guatemala. Il était vice-président Guatemala sorti dans l'année 2012, arrivé 2015. Il est condamné à 15 ans de prison pour corruption avec détournement de fonds. Côté il était détourné 2,5 millions dans 18 millions de dollars qui étaient destinés pour dépolluer un lac dans le pays Guatemala. Amado Boudou, Argentine. Il était vice-président Argentine sorti dans l'année 2011 pour arrivé 2015. Il est condamné à 6 ans de prison pour corruption dans une question d'achat, une entreprise qui compte imprimer l'argent dans le pays Argentine. Léon Bertrand, Guyane. Ancien député et ancien ministre sous Jacques Chirac. Il est condamné à 3 ans de prison avec une amende qui est 80 000 euros. Il a reproché citoyen ça parce qu'il a reçu l'argent dans une question de marché public en Guyane. Nawaz Sharif, Pakistan. Ici, un ancien premier ministre pakistanais est condamné à 10 ans de prison avec 6,8 millions d'euros comme amende pour un dossier qui a rapport à achat plusieurs maisons de luxe dans le pays de l'Angleterre. Dossier ça qui prend la rue dans la publication Panama Papers. N'a pas campé là, mais je vais prendre un bon exemple comme ça de Mounio condamné pour corruption dans un pile pays dans le monde. Là. Je vais mettre pour faire une vidéo ça, les Haïti sont les condamnés par là, surtout dans ce qui est en avec le dossier Petro-Caribé. Alors, ben, je vais essayer d'obtenir ça. C'est tout ça que je vais vous pour nous dans cette vidéo ça. N'a pas croisé la prochaine fois pour notre vidéo. Restez positif.